Ah, l'automne! Quelle belle saison pour ramasser des graines! Grégoire, tu sais que tu as dans tes mains un érable et un marronnier? Tu me crois pas? Cela te tenterait de faire une petite expérience? Regarde, Grégoire, ce sont trois graines bien différentes. Maintenant, tu vas installer ces trois graines confortablement. Oui, oui, tu peux les arroser. En attendant qu'elles germent, regarde l'intérieur d'une graine. Tu vois bien l'enveloppe qui protège la graine. On l'appelle le tégument. À l'intérieur se trouve une réserve de nourriture, les cotylédons. Et quand le germe perce le tégument, c'est la germination. Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un haricot magique. Il ne va pas pousser d'un coup. Si on regarde cette fève germer en accéléré... Bien sûr, toutes les graines ne germent pas au même moment. Mais si tu laisses passer suffisamment de temps, les graines finissent par germer et se développer. On appelle cela la germination. Tu vois qu'une graine est à l'origine d'une seule plante. Et à chaque sorte de graine correspond une plante différente. Ah oui, mais là, pour obtenir un marronnier ou un érable, il faut vraiment beaucoup de temps. Bonne chance, Grégoire. Tu vas pouvoir semer beaucoup d'arbres.